si oyo ekokisa mité yango tende esali ke pasteur to prophète as la faux pasteur si. Vous voyez si. non un vrai pasteur aurait qu'on s'est trompé parce que c'est un humain, il n'y a que Dieu qui parler devant la nation ba konjamboka balandi message mais la zone ba Pierre est fils serviteur de Jésus-Christ. Pierre il parlait devant Jésus. Donc vous voulez, avec défendre ces messages ratés. Nous défendre été, défendre message raté, nous allons faire comprendre que un serviteur de Dieu, il est 100% serviteur de Dieu, il a la grâce, il a l'esprit de Dieu, mais 100% humain. Ce pays a déjà qui se croit et que bisonde toza tobanga kanza bisonde tozali boye. Donc mutu nyoso oya kelama na nzambe azana makila na nzoto apo ako commettre erreur. Vous voyez, mais concernant la prophétie, concernant la prophétie, moi je dis ceci, la prophétie, Dieu peut parler et makambo ça limité. Dans la Bible, Zambe alobi na Ézéchias okufa. OK? Ézéchias okufa. Après Zambe ayeko changer bi okufa li susute na ko bakisela omikola bakiseli 15 ans a pamolima kaka Zambe wana. Zambe alobi na Abraham, zo mwana na yo Isaac, kende na ye. OK? Kende na ye kata ye kingo kaka nzamba na biko bomba yesusu Isaac te a changer nzamba lobi na Moïse kende zwa bana nga na Israël yo Moïse zwa bango na Égypte mema bango na Canaan terre promise est-ce que Moïse akotaka c'est Dieu qui parle maintenant problème ezali koyeba pourquoi nzamba wiko lwa pima kambo ko kisamite c'est ça le vrai problème parce que bango ba mona ngili kambo ya solo na zolo ba makaba prophétie décision du cœur. Tant qu'on a eu une décision, on a mis un peu de temps. Abraham a bon mal déjà moi. Et Dieu a dit, ça va. Tika moi, na zoa agneau oyo na remplacé. Maintenant, ce qui m'a appelé sur prophétie concernant la nation, que l'élection est constatée par exemple. Et, alors, tant que prophétie est salémité, il faut venir que Yébi Sabatou. Alors, et que ça a malamouté pour moi, malamouté que Yémoutouan en est à l'oba. Ils ont des serviteurs. Parce que la moyenne de Konanga, t'as toi, les gars qui sont à la télévision, à l'objet, c'est le. Dans le domaine de la prophétie, Bible est le baboué. Examiner la prophétie. Tant que nous avons déjà examiné la prophétie, c'est une façon de prévenir, en tout cas, et que vous avez la et que vous avez la mabé. Et que vous n'avez pas une zambé, tout comme vous n'avez pas un Satan, vous pensez à moutou, et que vous avez la prophétie. Lecture à l'ébosse en Gouane. Parce que ce n'est pas pour rien, ça va examiner. Examiner. Vous voyez? Yes. Problème, la bise, on a Congo et Zanine. Les Congolais sont là souvent pour na ko juger. Or, un chrétien ne juge pas. La Bible même nous dit ne jugez point. Yes. Mais un chrétien, un enfant de Dieu ou serviteur, il doit discerner la prophétie. Vous voyez? Parce que celui qui juge, condamne. N'est-ce pas? Yes. Mais celui qui discerne, il aura la vérité sur la chose. Vous voyez? Il y a des gens qui parlent par rapport à la compréhension. Tu peux comprendre quelque chose et ta compréhension peut ou à ne pas être une vérité. Tout. Bonne année à tous et à toutes, mesdames et messieurs, très chers amis téléspectateurs. Bonjour et bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Jérémy Luemba, les renards du désert est en face de vous. Alors merci pour la confiance, merci pour l'attention soutenue, merci également pour vos messages, nous sommes là. Je crois que tout à l'heure on va essayer de décortiquer l'actualité. Nzambe a komi kokosa ba prophète congolais, toro décortiquer en lelo et aussi j'ai trouvé en ligne et notre prophète Ézéchiel Bishima qui nous rassure que ce que nous avons contacté, lui, il est capable de donner la couleur. Il y a Sili pour Alati, tout soutien Alati, même Ebulo Golegi na Tongo, il y a comme mon ango na prophétie à Yebisio. Alors, qui est vrai? Qui sont les faux? Parce que dans le Congo, il y a une confusion totale. L'homme de Dieu est avec nous. Bonjour, pasteur. Bonjour, monsieur Jérémy Luemba. Voilà, merci beaucoup. Nabandeko Baye Bioté, quand même, on s'est présenté, hein, église, et puis le nom, et je crois que ce serait une bonne chose. Pasteur Emmanuel Abedi, de l'église La Porte. La Porte, hein? Jésus-Christ, La Porte.
Parce que pas Francis, je les rapporte de Dieu. Non, c'est Jésus-Christ, la porte. La porte. Et la vie éternelle. Ah, ok. Ma porte. Je crois que. Boza, ta vision, mon côté. Non. Tu as la vision, mon côté. Est-ce que des églises locaux et Kozalana. Et cause à la jamais vision moko. Parce que quand on parle de vision, on voit le message récit, la façon, la manière dont le Seigneur t'utilise dans le ministère. Donc, très bien. Tout ça vraiment différent dans les côtés du Congo. Tu démarres la prière, papa. Seigneur, de grâce au nom puissant de Jésus, merci pour cette opportunité. Au Pessibi Songolou, il y a Kosolo dans le Botanayo, tu pamboli moment oyo, tu pamboli peuple nayo, tu pamboli chaîne équilibre. Na mutu nyoso akolanda biso na kombo na Yesu Christo. Amen. Amen. L'homme de Dieu, merci beaucoup. Je crois que nous sommes arrivés complètement na fin 2023, 2024 démarre déjà. Bilan na ya ministère les années pour l'année 2023. Bilan ya ministère vraiment c'est positif parce que l'objectif d'une église ou d'un ministère principal, c'est gagner les âmes pour le Seigneur. Gagner les âmes. Nous avons gagné les âmes, et nous avons fait un bon travail. Il y a des témoignages par-ci, par-là. Les gens sont guéris, les gens sont délivrés. Et je pense que Batoubazo, Landanaba Media et même l'Église, Dieu a fait de grandes choses. C'est vraiment, 2023, c'était pour nous une année de grâce. Dieu a fait beaucoup de choses. Beaucoup de choses, nous y sommes témoins. Ça, pour nous, c'est positif parce que nous avons gagné les âmes pour le Seigneur. Amen. Alors, 2024, c'est quelle année selon votre vision? 2024, ça sera une année difficile. Ça sera une année compliquée. Il y aura beaucoup de choses qui vont se produire au courant de cette année 2024. Et je sais que nous concentrer dans la distraction. Parce que j'ai vu même le vent d'une maladie terrible aussi. Au courant de cette année 2024, et bah tribulation et cause à la mink, et à la politique, et à la bah église, comment on a ébélé à bah cause à la disqualifier dans Zambie Moko, partant à bah service, à bah acte, à bah comportement, à bah prophétie, à bah makambo ébélé. Donc c'est vraiment une année piégée. Dans Zambie, humilié bah pasteur ébélé. Humilié, c'est trop dur, c'est-à-dire à quoi. Vous savez, le Seigneur est en train de stopper certains serviteurs de Dieu dans l'élan, dans l'évolution et l'élévation de Bango pour prendre d'autres à placer Bango quelque part pour faire avancer son œuvre. Ça, c'est bien dit. Alors, je disais, lui solo, il y a prophétie, l'homme de Dieu. Au Moni, comment est-ce que beaucoup de prophètes sont humiliés? Au bas, pessimiste, au bas, message, mais il s'est réalisé. Je ne sais pas, on parle de Joël Francis également, Fulgence Koussou. Et sans oublier l'apôtre Roland Dallo, qui est aussi un père, un grand, mais il a échoué dans la prophétie. Bon, vous étant que pasteur, quelle est votre lecture par rapport à tout ça? Merci beaucoup. C'est ça, en fait. Malheureusement, Nzamba Kosa raté. Vous savez, il y a certaines personnes en Zambazali qui ont stationné Bango sur le plan ministériel pour permettre aussi à créer voix moko pour Nabatumususu. Vous savez, dans l'œuvre de Dieu, comme la Bible nous dit, chaque chose a son temps. Amen. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de respect pour ces grands hommes de Dieu, surtout l'apôtre Roland Dallo. Tout ça, dans l'émission, moko Seigneur Dieu sur Obosani. Longtemps na lobaka na salaka na ba modèle oyo baza modèle moko à suivre na évangile toza na Ale Moloto qui composait des belles chansons et il donnait aux disciples banze monaye ba yemba sa dia zo bimisa bango. Et cet homme de Dieu, c'est un homme exceptionnel qui a fait un grand travail oyo biso sto bi na mboka na biso. Et par après, il y a l'église de Philadelphie a confié à Mabouko à Batumoussou. On a dit que c'est biologique, ou soit moi si n'a été tolé qui n'a été. C'est vraiment quelque chose à quoi apprécier. Mais ce qui est concernant la prophétie. Vous savez, là, vous parlez de Roland Dallo. Oui, on a généralisé.
non généralisé parce que pas seulement lui, tout le monde a qui prophétie à Batignon, tout le monde a qui a y a Joël Tatou, tout le monde a qui a yé na y a prophète Moussou Ananani. Fulgence Koussou. Fulgence Koussou, tout le monde a qui a Bangonyoso, nyoso ekoki samité. Nous devons savoir une chose. Yes. Parce que na Congo, tout ça na problème moko, bato ba monaka souvent mabé à bato. Mais malamo balo bakate. Si. Yango na otio loba awa boenabi, c'est un papa, on doit le respecter et tout ça. Mais dans le domaine de la prophétie, la Bible est là. Examiner la prophétie. Tant que nous avons déjà examiné la prophétie, c'est une façon de prévenir les gens qui sont malades et qui sont malades. Et quand tu n'es pas dans Zambé, tout comme tu n'es pas dans Satan, tu penses à Moutou. Et tu es ma prophétie. Lecture à l'ébosse en Gouane. Parce que ce n'est pas pour rien que nous avons examiné. Examiné. Vous voyez, yes. Problème na biso na Congo ezanini. Les Congolais sont là souvent pour na ko juger. Or, un chrétien ne juge pas. La Bible même nous dit ne jugez point. Yes. Mais un chrétien, un enfant de Dieu ou serviteur, il doit discerner la prophétie. Vous voyez, parce que celui qui juge condamne, n'est-ce pas? Yes. Mais celui qui discerne, il aura la vérité sur la chose. Vous voyez, il y a des gens qui parlent par rapport à la compréhension. Tu peux comprendre quelque chose et ta compréhension peut ou à ne pas être une vérité. Toute compréhension n'est pas forcément une vérité. Tu peux comprendre la chose par ta façon, par ta manière, mais la vérité est cachée. Je vois. Vous voyez? Il faut être véridique pour avoir une très bonne compréhension. Alors, concernant la prophétie, on va dire examiner. Vous savez, il y a des gens dans la Bible. Quelqu'un comme Pierre, un disciple effrayant. Que Christ utilisait, que Christ aimait beaucoup. Mais diable a réclamé Pierre. Jésus a dit quoi? Abi, Pierre, le diable t'a réclamé. Mais moi, j'ai fait quoi? J'ai prié pour toi. Mais diable peut me réclamer moi. Il peut réclamer l'apôtre. Il peut réclamer le prophète. Vous voyez? Le diable peut les réclamer. Et est-ce qu'il est grave? Le même Pierre, Oana aussi. Pierre. Pierre appelle ça. Jésus-Christ a parlé sur dans Matthieu 18. Azolo ba sur sa mort. Na kokou fa na ko seko Pierre a lobi té et lo kone ko sa le maté. Et Jésus-Christ l'a appelé directement diable abi arrière moi Satan. Wana zo benga disciple na ye. A bengi ça. Ça dit malobo zo bi na kati na Pierre, bien qu'il était disciple de Jésus et de son vivant, il était avec Christ. Mais diable a lobi na kati à Pierre. Vous voyez, ça peut arriver. Que diable a loué. Mais koloba ya diable to prophétie oyo et ko kisamite yango tende et sali que pasteur to prophète a la faux pasteur. Si. Vous voyez? Si. Non, non, non. Un vrai pasteur a dit qu'on s'est trompé. Parce que c'est un humain. Il n'y a que Dieu qui. Parler devant la nation, ba konjambo ka balandi message. Mais la zone, ba Pierre, Pierre est fils serviteur de Jésus Christ. Pierre. Il parlait devant Jésus. Donc vous voulez, il vivait vous avec défendre Jésus. Ces messages ratés. Nous défendre été. Nous défendre messages ratés. Nous faire comprendre, Batouba comprendre que un serviteur de Dieu, il est 100% serviteur de Dieu. Il a la grâce, il a l'esprit de Dieu, mais 100% humain. Il n'y a que Dieu. Yango eza eloko moko ya kosunga bato mususu baye ba oba bimona ke bangone banza bangone ba koka makamonoso bangone ba banga kanzambe eza koloba na biso kote ya biso nyoso toza na humilité. Parce que dans ce pays il y a des gens qui se croient et que biso nde toza to banga kanzambe biso toza liboye. Donc mutu nyoso oya kelama na nzambe aza na makila na nzoto apo ako commettre erreur. Vous voyez, mais concernant la prophétie, concernant la prophétie, moi je dis ceci, la prophétie, Dieu peut parler. Et Makambo est limité. Dans la Bible, Zambe alobi na Ezekias okoufa. OK? Ezekias okoufa. Après Zambe a ko changer bi okoufa li susute na ko bakisela mikola bakiseli 15 ans a pamolima. Kaka Zambe wana. Zambe alobi na Abraham, zo mwana na yo Isaac, kende na ye. OK? Kende na ye kata ye kingo kaka nzamba na biko bomba yesusu Isaac te a changer. Nzamba lobi na Moïse kende zwa bananga na Israël yo Moïse zwa bango na Egypte mema bango na Canaan terre promise. Est-ce que Moïse akotaka? C'est Dieu qui parle. Maintenant problème ezali koyeba pourquoi nzamba wiko lwa pi makambo ko kisamite. C'est ça le vrai problème. Parce que bango ba mona ngili kambo ya solo na zolo ba makambo ba prophétie to comme na niveau wana te. Parce que yo lobaki nzamba komi ko kosa. Yes. Na sa ko éclaircir que Dieu
il est, moi j'ai toujours dit Dieu est plus que sa parole. Ah, ok. Parce que la parole de Dieu, c'est quelque chose qui est prononcé, qui est sorti de lui. Mais Dieu, c'est sa pensée. La Bible nous dit dans Ésaïe 55, versets 6 à 10, vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Donc, la pensée de Dieu est cachée. La parole est révélée. Ce que Dieu parle, c'est ce que nous connaissons. Mais ce qui est caché est gardé dans sa pensée. C'est pour dire que Dieu peut dire quelque chose, il annonce, mais il peut changer. Mais le problème est, Zali, un prophète aussi peut dire quelque chose, Oyo, à l'obi, mais et où tu es pas, il n'en a pas, et coquille, ça m'y pète. Parce que c'est un humain. Et vous savez, dans l'œuvre de Dieu, nous devons savoir que Dieu, il a partagé des tâches. Il y a ceux qui sont de ministres étant prophètes, pasteurs, évangélistes, docteurs et prophètes. Alors, chaque serviteur doit faire bien son travail parce qu'il est appelé. Il y a le Kolambo Kanabiso, dans le Bakango. Un vrai prophète Namboka Oyo. Vrai prophète, on va comme un prophète de la nation. Oyo, Zamba Bengae. C'est le prophète de Niles. Ah bon? Oui. Des nations. Oso, prophète de Niles, je vous dis, au moins le problème de la Bissot, c'est le Congolais Zanini. Congolais, problème na ezali nini, Congolais a se bazaka ming, majorité je le dis, il y a ba Congolais tous se bazaka plus na mabe ya batu, na ba erere ya batu. Au moni Nzambe, Nzambe nde mutu, ala ki sa biso ke nyoka zali diable. N'est-ce pas? Genèse chapitre 3, le diable ne sert pas à séduire Eve, Eve a me mimbou, mais pas mobali na e, mokile koufi, mabe koti, liwa e koufi. Mais Nzambe a dit qu'on se servir na nyoka. N'est-ce pas? Alors, soyez prudents comme qui? Les serpents. Comme les serpents. Nous avons servi dans Nyoka Lissousou. Bana Israël va murmurer dans le désert, Nyoka Suba, on va dire qu'on couffe. Nous avons dit que Moïse est tombé là, serpent de rêve. On ne soit qu'au tel à Kobika. Vous voyez? Batu batala Nyoka Babika. Korbo, Aza Nyama Moko Mbindone Batu Balobaka. Mouindou Bissika Nyoso, mais Awa, il s'agit de Pembe. Kamwa Pembe. Mwatashwana ya pembe. C'est un langage bien aimé. C'est pour te dire que autant la kaka mabe ya batu. Vous voyez, je vous dis bien aimé, le corbeau, là, c'est celui qui va nourrir un grand prophète comme Eli. Nakatia désert, nakatia passe. Yenda me mène biloko à kolia. Vous voyez, c'est pour dire que bien aimé, moi, selon ma analyse, naona monaka, naona yokaka, un vrai prophète qu'on doit écouter dans ce pays. Un véritable, je parle de vrai. C'est le prophète de Niles. Avec ses pétages. Cet homme, oui. Avec ses pétages, papa. Avec ses pétages. Vous savez, toujours parler sur le ministère. Tu peux être un vrai serviteur, mais peut-être caractère ou comportement, il y a bon moto et créer un problème. Mais toujours parler sur le vrai prophète. Un vrai, c'est qui? Un vrai, c'est celui qui est réellement, qui est naturellement prophète. Et vous allez remarquer, tout ce qu'il dit, ça s'accomplit. Ah oui, hein, c'est une parenthèse. Ma prophétie, nous sommes qui a prophétie élection et consalaté. Oh, bah, tout ce qui banine. Et qui s'amite. Mais hier, dans l'anda qui est dans la politique, dans la vie sur Israël, il a dit Moutoua Koukoufate, prophétie dini, élection et consalaté. Il y a beaucoup de choses ici. Alors, qui autrefois, alors, qui concernant Moutoua Koukoufa, et ça, les maquis, après ça qui prophétie, après ma camba vital, Kamesan Azagi na prison. Et qui s'amite. C'est vraiment un vrai prophète, moi je le crois. Mais que cet homme-là, c'est un vrai prophète. C'est un modèle quand même. Il est un pays. Qui est modèle et qui n'est pas modèle dans ce pays. Justement, parce qu'il est un peu dans touche à tout. Mais il est touche à tout, c'est sa façon. La politique. Nous parlons de l'appel d'une personne et de son ministère. Vous savez, mon frère, il y a des gens dans ce pays que vous croyez saints, que vous croyez parfaits. Mais ce qu'on continue à approcher, c'est autre chose. C'est ça. Moi, j'allais prêcher dans une grande église ici à ma tête ici. Une grande église. Église ou en les extensions dans ma tête. Mais quelque part dans la ville, dans la situé place Matmakoeba. C'est un papa qui est connu dans la ville, respectué. On a content comme on a été pour un respect. Mais tant que je suis secrétaire, à Longwe, dans la communauté, à comme la ville, à Kessalam Salakuna, il m'a relaté des choses dans ma preuve. Nabissa se met à la preuve. Yango. C'est pour dire que, bien aimé, Moutoumo Kozali parfait, azate. Donc, vous savez, il y a des gens qui sont sérieux mais qui ne craignent pas Dieu. Yes. Tu peux être sérieux. Donc, tu fais des choses. Il y a des gens qui sont spécialistes. Mais c'est Dieu, la conscience d'une personne qui révèle ce que la personne est réellement. Je suis l'homme le plus sérieux du monde.
hein, de l'évangile. Mais mon thème, nanga, conscience, nanga, eyebi réellement qui je suis. C'est pour dire que toko maltraité, toko détruire moutou. Parce que, à sa naïrer, mon côté, to bomba, et l'okwa moutou, zal katinaye. Je le dis et je le répète. Et les gens doivent prendre ça au sérieux. Même là, je m'adresse aux autorités. Nabatunyo sur Amboka, prophète Denis, c'est un grand prophète. Oyo, lelo, batubazoué, banan valer na été. Un jour, bakoué ba valer à moutouana. C'est un vrai prophète. On doit écouter cet homme. Il a la chose de Dieu. Peut-être que Biloko Mike est allié dans Zambé Naye, c'est un serviteur de Dieu. Ou en est allié sur témoin. Je parle de la prophétie parce que tout ce que cet homme de Dieu parle dans ces pays, même Yosa témoin, même Batozo Landabiso, ça se réalise. Donc être sérieux, ce n'est pas avoir la crainte de Dieu. Il y a des gens qui sont sérieux. Mais il n'a jamais reçu Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Ça dépend de sa vision, sa façon d'être, son comportement. Il est sérieux. Il y a des gens qui se cachent. Dans ça semble que vous allez être sérieux, mais parfois occultiste, parfois sataniste, parfois il prêche. Dans ma fétiche, dans le bloc, mais conscience, et si quand on a zali, on a zali, mais devant les gens, c'est pour dire que. Il n'y a pas un pasteur dans ce pays qui est le plus sérieux, plus que tout le monde. Il n'y a pas un serviteur de Dieu dans ce pays qui est le plus, n'est-ce pas, parfait dans ce pays. Donc, tout le pasteur, Omoye Biwana, Bazana ba défaut, Bazana ba erreur na bango. Alors, ce qui est important, c'est la question, il y a Kolande la Wana te, parce que Christ l'a fait aussi. Tant que mami, moi si Wana, balingi ba lapide. Hein? Balingi ba lapide moi si Wana. Qu'est-ce que Christ a dit? Abi, celui qui n'a jamais commis de péché, Aza Moutalibousso, Gozwanini, Libanga Abeta. Moi, je parle ici des ministères. Nous avons notre papa, qu'on vient de parler ici, c'est un grand prophète, un grand apôtre. Naye Belie Bongo. Papa, on a un côté en église, Moko et Assemblée de Dieu, dans ma campagne. Très bien. Na Tei, il n'y a pas pasteur Moko comme on a Martin. Et ça, on a ma campagne. Na Tei, premier, parce que moi, je suis pasteur de ministère, mais j'ai un don prophétique. Au monde, on a un bon accord, on a prophétisé. Na komi na église wana ba di côté premier jour c'était dimanche au dimanche pendant clôturer dimanche na ba di premier jour nzamba ba di ko utiliser nga puissamment na prophétie église étondi ba tondi libanda ba politicien ba di ba édit de plein. Mais le vendredi son père spirituel a bengi pasteur Martin pour lui dire que non biso ensemble des saints makaba prophétie za la raté. Le pasteur doit arrêter, moi même je viens clôturer. Mais c'est là qui scandale na église. Batoubaye va bien toya qui a pour na pasteur wana bo sali bo epo na nini na bisa ki zola calme bo ti exam sala nzambe to bena pour na makambo wana te. C'est pour dire que bien aimé dans l'œuvre de Dieu, la Bible nous dit nous sommes membres chacun de nous et nous formons un corps. Donc loboko et simbaka makolo et tambolaka miso et monaka, c'est la même chose dans l'œuvre de Dieu. Un prophète reste un prophète. Un apôtre reste apôtre. Un pasteur reste apôtre. Mais aussi, un prophète peut parler quelque chose et coquille s'amiter. Mais il faut qu'on ait pourquoi et coquille s'amiter. Voici ça le problème. Dieu, vous savez, il y a un prophète dans la Bible, il s'appelle Élie. Shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. C'est moi, votre frère, Enoch Babinga, le chasseur. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous présente Bino, Orphelina Matondo. Bano bozomona eza bano nzamba pesi biso na mukumba koyeba kobokola koyeba na kosunga et bien aimé dans le Seigneur yango musalo to salaka ngo biso mon côté to salaka longo elongo na yo papa to salaka elongo na yo mama na bisaka bana nzambe zol bango lokola bana oyo bazana kati ya ndaku na yo. Bien aimé, nous avons beaucoup de difficultés ya bana oyo classe na bango kolia na bango soins médicaux, c'est tellement difficile. Il y a un autre qui a présenté Bino Bano Bozomo Nanabi Lili, qui a soutien quand tu n'es pas en Abino. Bible Zolo, c'est celui qui donne aux pauvres, prête à Dieu. Moutou a défi chaque Nzambe, Nzambe a tikalaka na nyonga moutoute. Tabita Dokas, oya, c'est quoi qui c'était à cause de ma bienfait. Maman Zola Nangai, Papa Zola Nangai, ma bienfait et salaka. Nous sommes précisément sur l'avenue Mini Congo 78 dans la commune de Makala. Référence, paroisse Saint-Mathias. Assistez Bana Oyo, numéro na biso pe yangwana, plus 243 89 50 79 749. Plus 243 89 50 79 749. Na pesio déjà merci, nzamba pambolo mtokolanda imajo, kozangate ko assistez Bano, que le Seigneur vous bénisse. Plutôt de Samuel, et comment qui tango moko, Eli, il était puissant.
Mais arrivé à un certain moment, Bible l'a mis sur sa ligne. Et Kanga n'y pouvait plus voir. Et Dieu va commencer maintenant à utiliser, à appeler le fils qui est Samuel. Tant oiseau Benaï, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a, le père a compris que pour le moment, Nana au monde a les sous-sauté. La prophétie est devenue rare. Mais à se maintenir quand il y a salarié, dans la tant ici là qui. Il a appelé l'enfant. Après, si il continue. Donc, il doit y avoir une collaboration entre le père et le fils. Parce qu'il n'y a aucun serviteur qui restera éternellement. Je ne sais pas si tu connais papa Edi Nabala. Tu connais papa Mutombo, papa Sonic Afuta, papa Kakiens, papa Pogno, papa Lambalamba, papa. Donc, de grands serviteurs dans le monde. Oh, mais un certain moment, au moment où il y a Salini, chité. Ce n'est que normal. Donc, et ça, l'idée que Azali faux serviteur. Et là, que tu sois un faux serviteur, c'est si tu n'es pas le ministère. Si tu n'es pas appelé, là, tu es faux serviteur. Mais un vrai serviteur, celui que Dieu a appelé, il a un message, il a une vision, il a un langage. Parce que le langage qui nous différencie, pour Azali pasteur, Azali apôtre, Azali docteur, à partir, il y a langage. Vous voyez. Mais pour ce qui concerne la prophétie, un prophète peut parler, soit de la part de Dieu, tout comme un prophète peut parler animé d'un mauvais esprit. Et quand tu as à cause soit de la distraction, ou bien Dieu veut disqualifier, ou bien arrêter et là, pour prendre certaines choses ou certaines personnes au basali considérées à placer pour faire la continuité de son œuvre. Alors, l'idée n'est pas mauvaise. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Selon vous, un homme de Dieu a échoué. Dieu peut changer la prophétie. Oui, mais quand Dieu vous montre quand même une révélation, ne soyez pas aussi pressé de venir aussi les publier à la place publique. Il y a un problème. C'est Dieu qui dit examiner. Examiner, ce n'est pas seulement la personne qui va écouter la prophétie, toi aussi qui va prophétiser. Parce que la prophétie, il y avait une cause. Moïse à côté na Égypte était à cause de désobéissance na et comment na Cana à cause de désobéissance Zamba lobi alloba na libanga ya a frappé Zamba a frappé abi au côté les sous-souté. Ézéchias prophétie na koki samité. Pourquoi? Parce que Ézéchias a rappelé Zamba ba bienfait na Zamba kanisa na tonga ba église na sala musala boye na sunga ba sali na yo. En tout cas na boyi liwa Zamba Zamba parce que Dieu a dit faisons l'homme à notre image et en Zamba zape na natira bo moto na biso to na natira bo Zamba. Azana mao, azana souvenir. Ah, moutouyo a rappelé des choses où il touche à la motème. En tout cas, il fallait se sauter. Même chose na Abraham. Abraham, tant que Zambé a tindé Abou Mamon en aïe, a kéi, Zambé a banaï kota la motème à Abraham. Parce que tuer une personne, ce n'est pas prendre la machette ou bien le couteau et égorger la personne. C'est la décision du cœur. Tant que j'ai une décision, la mamie que moutouyo pena, assis à Bomita, Abraham a bomma qui déjà mort en aïe. Et Dieu a dit, ça va. Tika moi na zoa agneau oyo na remplacer. Mais na ce qui m'a perçu prophétie concernant la nation, que élection est constatée par exemple. Et, alors, tant que prophétie est salémité, il faut venir ko yebi sabatou. Alors, et que ça malamouté pour moi, malamouté que yemoutouanan de aloba. Ils ont des serviteurs. Parce que la moine de Konanga tatoua, les gars qui na télévision, alobi, alobi, ce n'est pas une bonne chose. Je ne peux pas les reprocher devant les gens, c'est un grand serviteur de Dieu. Mais c'est question peut-être que l'oukabana, bobeba tousou baye, baloba pour la makambouana. Parce que, et ça, makambouchi salem, ce n'est pas la fin du monde, c'est quelque chose qui se fait et l'équipe bongo, et si li bongo. Alors, merci beaucoup, l'homme de Dieu. Je crois que, Charon, nous sommes en direct. Je crois que, au PC, point de vue, naïo. Mais, tout ce qui est libre, n'est-ce pas, au Talabusso, libre temps de commenter, d'apporter aussi leurs avis. Ouais. Par rapport à cette histoire à ma prophétie, 2024 s'annonce déjà. Moutoumou a vu que nous avons frappé. Ma faux serviteur, tout bon, nous humilié. Parce que vous voulez toujours dire des choses. Dieu m'a dit, ainsi dit l'éternel. Mais osons souligner, ainsi dit l'éternel. Et après, message est quitté. Même dans ma vie, à tout bon, si ma prophétie est belle, dans mon boy. En ainsi, tout bon, monité. Dans la nation, pareil. Donc, il faut changer les méthodes, nous avons travaillé. Ça serait aussi. Au moment où, frère Jérémy, concernant la prophétie, il y a des prophètes qui ont accompé sa responsabilité. Il y a Ndako. Oui. Il y a des prophètes qui ont appelé sa mission. Il y a toute une ville. Mais il y a des prophètes des nations. Voilà. Aux hommes, il y a ceux qui ont appelé au niveau. Ils ont appelé sa capacité. Mais les gens veulent faire des choses de leur manière.
Donc, tout ce que la nation de Nilesi. Tout ce que la est, parce que c'est lui, et ça, nous avons contredit. Il y a des preuves qui prouvent que tout ce que cet homme parle concernant la nation, et ce qui semble. De Nilesi, Kaka. De Nilesi. Pétage, Kaka. Oh. Ça va, je partirai chez lui, Nayambaye. Et vous allez bien. Alors, entre-temps, mon père a dit que je a échoué les sous. Nani? Pasteur, mon père a dit que pasteur dans une galaxie. Dieu m'a envoyé. Dieu m'a envoyé de venir sauver la nation, apostillé à juste 0,5%. Mais non, on va programmer par élection. Mais déjà, les tendances sont là, Fatih est réélu. Et quand les tout est possible à celui qui croit. Tolo Belango après publication. C'est vrai. Tolo Belango, au moins, toujours ma prophétie. Il y a que le 20 examen qu'on élection. Mais parmi les 5 candidats, on est là, c'est à toi. N'est-ce pas, Fatih? Tout est possible à celui qui croit. Total, on a nos prophéties. Tolo Belango va proclamer président de Gojigé. C'est simple, non? Et puis il est toujours serein. Mais à tel dimanche, quitte d'action de grâce. Il y a un lobby, total, on n'a pas publié le résultat. C'est simple. Alors, l'homme de Dieu, on va parler de ça après. Il y a beaucoup de familles bazar, qui n'ont pas difficulté à ma prière. Et là, on a un lobby, pardon. Et là, on a Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Ainsi de l'éternel. Je vois dans mon esprit. Ah. Quand tu vois dans ton esprit, ce n'est pas l'esprit de l'éternel. C'est ça. On ne prophétise pas par son esprit, mais on prophétise à travers le don spirituel qui est donné par le Saint-Esprit selon 1 Corinthiens chapitre 12. Vous voyez? Quand je vois dans mon esprit, ce sont des choses courantes. Oh, le lot est comme Ikoko à porter, ça devient comme un langage. Je vois dans mon esprit. Le lot est kabbaliste. Je vois dans mon esprit. Je vois dans mon esprit. Dans mon esprit. On n'a pas besoin de l'esprit de l'homme, on a besoin de l'esprit de l'éternel. Parce que l'esprit de l'éternel, c'est lui qui sonde le cœur et le rein, qui entre dans la profondeur de toutes les choses et il ne peut jamais mentir. Jamais. Alors, parlez dans ma famille, dans la bisou, dans ma besoin de prière. Ané Asika, tout miling, nini. Il y a beaucoup de pièges, je vais dire dans l'introduction. Ouais. Il y a des problèmes, des difficultés. Ils ont un animal très complexe. Alors, bateau va aller dans le sambo, bateau va échouer en 2023, bateau va rater ma visa, bateau va rater Kobota, va rater ma balle, va rater Misala, bénédiction. Pendant que nous sommes là, il y a un stress, un souci, une maladie, une cotinzoto. On a mutunyo so oyo arata quelque part na domaine moko tona eloko moko tant que tu es encore vivant tant que tu respires encore tant que tu es en train de vivre qu'on décourage te. Amen. Il ne faut jamais décourager bien aimé. Ce n'est pas pour rien Zambati qui est vivant. Zambati qui est vivant parce que il sait ce qu'il réserve pour toi. Donc que personne se décourage. David avait dit ça devant Goliath, que personne se décourage à cause de ces Philistins. Moi aussi je dis, ma balle est libale simbité, visa est simbité, santé est simbité, problème il y a loyer, problème il y a études, il y a bana, problème il y a finance, je ne sais pas, il y a deux mots quelque part est simbité. Que personne se décourage. Tant que tu es vivant, le Seigneur fera. Et après. Quand on a une émission, tu verras un miracle de Dieu. Amen. Après qu'on a une émission, une porte va s'ouvrir. Après qu'on a une émission, tu seras consolé. Quelqu'un va te chercher. Appelle-moi pour sonner dans le téléphone Nayo et quelque chose va se passer. Je le déclare étant serviteur de Dieu, car la Bible nous dit, il est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Pour l'année 2024, bien-aimé, et c'est un peu qu'on corrige façon dont on a commencé la macam. Comment tu t'es comporté dans l'année 2023? Qu'est-ce qui était à la base? Il y a échec na yo. C'est ce que tu dois faire. Il faut bien analyser. Otamola ki nanan. Est-ce que mouto otamola ki azala ki utile pembeni na yo? Quelqu'un qui n'est pas utile pour toi, il faut se séparer de la personne et c'est un peu de s'éloigner de cette personne pour vivre que échec nyo se zala kana ba animateur nango. Yes. Ba quoi accomplir, ba quoi soutenir, quoi accompagner. Alors si tu veux réussir, c'est un peu de s'éloigner. Vous savez, il y a des gens que moi j'appelle des jaloux gentils. Comme à Linga Kayo, Zok Aza jaloux. Avant de critiquer mon bali, moi, si je suis bien, oh, souci, je suis bien, je suis bien, je suis bien, je suis bien, en réalité, il ne t'aime pas. Vous voyez? Donc, je voulais dire aux gens que ne te décourage pas et essaie un peu d'analyser la vie. Le lingi ni otambolaki,
relation non nzambe zaki ndenge nini na mwasi na mobali na na pasteur na chef na na musala et yo moko na conscience na yo et relation na yo ezalaki ndenge nini et loko nini e causé échec na yo soki oyebi yango directement oko changer façon ya kotambola kozala na yo papa, et par après to père ki ndumba e mati ba fie belé ta la ba tiktokeuse ba influenceuse niveau et commerce ya ya ki ndumba bokolo ba nibino masala nzambe mais c'est l'accomplissement de la parole de Dieu au temps de la fin il faut que ces choses arrivent. Les femmes s'exposent comme ça. Les femmes s'exposent bah, à la réalité, et Zali est belé. Au-delà, il y a quoi que ce temps de la fin, souffrance aussi. Vous savez, il y a des gens qui souffrent et qui ne maîtrisent pas la souffrance. C'est ça aussi. Azo souffre, Azan Elo, Ako Liate, Ako Liate, mais c'était un païen, il ne sait pas se maintenir dans Katia Moma, la souffrance, il peut s'exposer, il peut se laisser emporter par n'importe quoi. Yango tozo senga na nzambe nzamba sunga ba konzina biso ba kambambo kamalamu mboka ezala bien ba twaza na misala ba tu batanga ba classe ba tu tu vois tout ça si les gens sont occupés na misala na bango tu penses qu'une fille qui travaille quelque part peut aller faire des bêtises comme ça peut pas le faire parce qu'il est occupé. Une fille qui prie, qui craint Dieu, aza occupé dans ma cambonaye, il n'a pas le temps d'aller faire ça. Mais il y a des gens qui sont là, il y a des filles, il y a des garçons qui sont là distraits, rien à faire, ils n'ont pas de vision, ils n'ont pas de rêve. Na kat na mutu na bango, il peut se laisser faire de n'importe quoi. Mais quelqu'un qui a une vision, il a l'intérêt à préserver le témoignage naye, vie naye, tant que ma image ya boy, mon amour si bazou tiens na biloko a bongo. Mais na mobali ya kobala ya kuta biloko a bongo, tu vois. Alors, ça c'est bien. Numéro et contact, ça affiche au bas de vos écrans. Numéro n'anga ya contact, yango au bas affiché. Na pembe ni ezali 083 17 54 854. Plus 243 83 17 54 85 4. 4 na souk. Voilà, ezali numéro n'anga ya WhatsApp. Ou ezali disponible parce que au moussouswana, na maladie ko sa e la kala. C'est comme il chargé dans ma cambo et belé dans Kati. Alors, merci. Merci à Mimi Ndoumé depuis Moshing là-bas. Bonne année à Mimi Ndoumé. Mimi Abandoumé, merci pour ton soutien. Que Dieu vous bénisse abondamment. 2024 est la meilleure année pour Nalibota. Et puis, Misala Nayo. Merci encore une fois à Sema Mayasi, femme légitime, agence Mayasi, France Italia. Vous nous avez soutenus durant cette année 2023. Que Dieu vous bénisse infiniment. C'est Mama Yassi, femme légitime, agence Mayasi Forza Italia. Grand frère propre, le célèbre Dien Nzundu, na Washington. Pendant les moments difficiles et douloureux, tu nous as assisté durant 2023. Que Dieu visite votre famille. A Pambolo, Lissousou Makasi Koleka. Merci Mingina, Papa Philippe Kabouikou depuis Fribourg, notre conseiller en Suisse-Irlande. Que Dieu vous rend fort et puissant, encore une fois. Santé et à la partage Nayo. Merci na Gérard Sadam na Manchester qui séjourne à Kinshasa. Je n'oublie pas, Bandeko Nyon Soba Pansang Nabiso, le président Pedro Moutou, leader à jeunesse, association. Main dans la main depuis la ville Fontaine, mais aussi partout la France. Pedro Moutou, leader à jeunesse, merci pour votre générosité au soutenir Bissot Makassi durant 2023. Que Dieu puisse multiplier encore l'entreprise Nayo Ozalabi Makassi. On est ensemble pour de vrai. Nous avons besoin de vos soutiens, de vos prières. Nous avons pour ça un sponsor Baya, aux entreprises, agences maritimes, agences de fret et consorts. Pesa biso logo oza la partenaire na biso en 2024 même bato ba banque bato ba mituka bato ba boutique ba maison nous sommes ouverts pour toute collaboration. Jérémy Luemba, les renards du désert reste égal à lui-même. Merci beaucoup, merci l'homme de Dieu, merci pasteur. Je crois que bandekobe batali biso et nous voici arrivés à la fin. Bonne année 2024, demeurons dans la présence du très haut. Merci papa. Merci. Voilà, merci beaucoup. Mbote mbote bandeko, ezali susu ngai maman Mika la cosmétologue, réparatrice à l'oposo. Comme toujours, n'est la bino ba produit naturel, fait à base à ba fruits sans hydroquinone. Ya lele ya sika eye, mafuta ya bana, lait de beauté Mika bébé. En tout cas, ezali de 0 à 12 ans et ça là-bas la bino kitoko makasi, je vous assure, bo sepela nango. Ezo bongisa po ya bana, ezo rendango lisse.
propre et très agréable. Et ça la bala moi na bima bambou mananzoto ba ma palata ba makodia ba nini en tout cas ezo soigner po ya bana ki toko makasi. Maman Mika memeli bino susu bandeko pomade na biso vimbo vi. Pomade o ezali pomade raffermissante pona mabele bassin et puis bassin na ba mole. En tout cas, ezo vimbisa makasi bandeko. Bo sala ba commande, bo passer ba commande na bino boko sepe na lango makasi. Nzoto yaya, papa, mama to bongisa ngo kaka. Tozali na pomade na biso ya suki. Bato suki kata na pamba pamba. Bato suki za la pepele. Bato bazana mabandi. Solution yango eye. Ba produit très naturel. Tozana pomade ya suki, tozana huile ya suki, huile oyo ezo sunga bato bazana ba salité na ba cuir chevelir na bango ba poussière, ba loto yo ka mpusa yo so ba okango suko ko mama la laise. Solution yango eye. Huile na biso, huile cheve mika, eko sunga biso makasi. Toza na pomade oezo vimbi sa suki. Suki eko ma noir, eko ma kitoko, bandeko boya ebele. Toza li na crème na biso temetisi. Pona basi ya pembe, mi bala pembe. Bandeko nanga, eko sala yo bien. Yo mtu pembe na oe gata, ya kambangu. Pase komandu na oe eko komela yo. Tobo sanite basa mwindu basa chocolat mibala mwindu a chocolat crème de beauté mika yango yo ezali pona bino bo passer ba commande et ça la bino bien makasi. Toza na beurre de karité la biso pure bio yango ye bandeko silaki bo passer ba commande et ye. Toza na crème réparatrice mika pona bata problème tampon cancer de peau ba rougeâtre ba noir nuta solution yangoyé boya ebele. Toza na pomade anti sola mapeka na 2 jours apamba sola mapete sili boya ebele. Toza na gommage café pona ko gomme longi oza apwa ma bouton graisse boki malombango gommage yangoyé. Toza na savon noir fait à base à café okoza la très à l'aise na douche na yo boya ebele. Huile d'ananas yango naturel en tout cas boki mambango. Toti kakotia choko e, toti kakotia choko ba mama ba papa. Na lobango el nyoso tu, toa na biso na possibilité nyoso ya ko retrouver te na biso normal. Oui. Eza le beba ke koma kindenge ni na yem saka bino solution yango yo. Solution yango yo, toti kakotia kachoko. Mama fute zo bebi sabatu, toti ka hydroquinone. Numéro plus 243 89 98 27 674. Notre adresse, commune à Kalamu, quartier Matongé, avenue Pozo numéro A17, référence cabine à courant.